Mustafa, 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 Mustafa. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة والله n'y a pas de vie à part la vie de l'au-delà. Alors pardonne aux Ansar et aux Muhajira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous remarqué la différence qu'il y a entre le fait de prononcer des vers et le fait de les chanter? Il y a une différence qui est claire. Il y a le fait seulement de prononcer des vers qui présentent des assonances et de les moduler de façon harmonieuse. C'est ce qu'on peut appeler donc le chant. Et puis, il y a une deuxième définition que l'on appelle le chant véritable. Chant à propos duquel on va s'exercer à améliorer sa voix. Et que l'on va chanter, parfois seul, en public, mais qui ne contient aucun propos ou aucun accompagnement qui soit contraire à l'éthique musulmane. En soi, ce chant est autorisé d'après des savants, notamment Cheikh Wahb al-Zuhayli, rahimahullah, qui est décédé en 2015, donc un savant contemporain, et qui est de cet avis que, en l'absence de texte authentique, c'est la règle de la permission originelle qui s'applique. Évidemment, si tu veux en savoir plus sur le chant qui est interdit à l'unanimité, en savoir plus aussi sur le chant qui fait l'objet d'avis divergents, clique, dirige-toi vers le lien qui s'affiche à l'écran, et ta soif sera abreuvée. Lorsqu'on regarde l'histoire de Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que lui aussi, il avait la fibre poétique. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Alors si comme Abdullah ibn Rawaha, nous avons la fibre poétique, que devons-nous faire? Nous devons suivre son exemple. Avec la révélation comme cadre, avec les conseils et les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a écrit des vers. Comme il écrivait dans la Jahiliya, lorsqu'il n'était pas musulman, il a continué à écrire. Et ces vers, donc, ont servi le dîn. De la même façon, nous aussi, nous pouvons servir le dîn. Les poèmes que j'écris et que je chante sont sourcés. Cette source, c'est le Coran, ce sont les traditions prophétiques, ce sont les avis des savants, les commentaires. Par exemple, Al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le surnom que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait, parce qu'il a été choisi. Par exemple, le poème que je chante sur la famille. Ar-Rahimu mu'allaqatun bil-arsh. Les liens familiaux sont attachés au trône. Il y a un hadith, il y a une tradition prophétique qui vient étayer et qui vient renforcer mes vers, mes propos. Je ne tire pas cela de ma poche. De la même façon, toi aussi, si tu as la fibre poétique, si tu sens que tu manques d'alternatives, si tu sens que tu n'arrives pas à t'exprimer, qu'il te manque quelque chose dans ta vie, eh bien, l'islam te permet de t'épanouir spirituellement. L'islam n'est pas seulement une religion faite d'interdictions. Bien souvent, il y a beaucoup plus d'autorisation que d'interdiction. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serviteur d'Allah, somme homme de la moralité.